sujet, c'était bien drôle. Et c'est justement la parmi les races qu'on a proposées, c'est celle qui a le plus, enfin, qui a rapporté plus de monde. Ouais, sur FF8, après il y a eu Bref. FF9, il y a eu un peu FF7. FF7, ça a pas trop marché. Ouais, parce qu'il est dur, FF7, faut du step counter FF... et faut être vraiment Et précis. FF9, il y a eu. Enfin, je l'ai fait sur le tard, mais. Mais FF9, en gros, c'était pas beaucoup de monde et les gens qui y ont été, c'était un peu comme pour BOF3, ils ont racheté. Ouais. Ah, d'accord. Il est assez dur, FF9. Ouais. Enfin, maintenant, j'ai envie de dire moins, mais bon. Parce Comme... que t'es habitué. Alors... Ouais, je suis aussi habitué. Ça va faire pratiquement un an que je rentre de jeu. Excuse-moi, Allez, on va sur certains revoir jeux, je Edia. me suis dit, ah, je réussirai jamais à avoir un aussi bon temps, et finalement, Et petit finalement, à bah ouais. petit, c'est Finalement, patience j'ai et. récupéré un War Record, quoi. Donc voilà. C'est patience et connaissance de la RAM. Donc là, c'est le moment où on doit aller chercher le vaisseau des Sith Blancs et il est caché dans une toute petite crique. Et même quand tu es à côté, tu peux passer sans voir le bateau. Alors tu vas tout droit et Alors. après tu prends à droite PLM. Ah, je connais la route, t'inquiète. Trop Je fort. sais. J'ai dit à droite alors que normalement faut toujours dire à gauche. Non. Je sais où il est. Est-ce que je suis au bon endroit déjà? Oui, je suis au bon endroit. Non, je suis pas au bon endroit, putain. Vous voyez? Il s'est perdu, il s'est Eh ouais, je suis perdu. pas au bon endroit. Elles se ressemblent toutes ces putains d'îles. Ouais, c'est vraiment trop tendre. Je reviens un peu vers le centre. Ah, mes yeux, là, c'est pas possible. Ouais. C'est là. Ouais, c'est bon. Trouver PLM? Non. Oh putain, Ah, de non. conneries quoi. Ça fait pas de temps. On tourne en arrière, ce que je crois que c'est passé devant en fait. Ouais. C'est passé devant obligé. J'ai rien vu, moi. C'est là. Voilà, tu vois, c'est un tout petit truc. Tu passes comme ça. Et il est là. Il est insupportable à trouver. Oh, mais sérieux! Oh. Comment tu peux voir ça, quoi? Quand t'as pas fait le jeu depuis longtemps, t'inquiète pas que tu galères. Il est totalement insupportable à trouver. Ouais. Et dis-toi que tu peux tourner dans tout le monde, hein, parce qu'il te dit simplement de chercher une crique. Ouais, je cherchais une crique. Le monde est entouré d'eau, connard. Alors, voilà, moi je te donne rendez-vous demain à 15h, quelque part dans le monde. Salut! Elle commence à faire jour. Bon, j'ai mon store fermé à fond, moi, donc je vois pas. Moi, j'ai un... il commence à faire clair, il y a un filet rouge au fond de la... derrière les nuages. Donc là, les gens vont commencer à revenir, je pense, vraiment. Petit à petit, après Oui. le matin c'est chaud Le quand matin, c'est dur, hein. surtout un samedi matin. Ouais, Donc en général les gens ils aiment bien faire la grasse patte. là, je me moque. Donc là, petit point scénario, faut qu'on aille voir les sites blancs pour retrouver Ellen pour aller sauver la Princesse Leia. c'est ça.
La cruche. On va sauver la cruche. Ah, tu t'es pas loin. Oui, t'es pas loin. Ça, ça fatigue. Oh putain, et c'est comme ça qu'il se déplace à chaque fois, donc il court dans tous les sens. Oui. Putain, c'est vraiment le cas. Les mecs ils se regardent, il s'en va en courant, les autres suivent. En fait, il joue à chat tout le temps. Et là, on se retrouve avec les soldats qu'on a battus dans le CD1, si vous vous rappelez. Les mineurs. Oui. Oh. Et c'est eux qui ont emmené Elon. Pour la protéger. Non. Oh, elle tombe comme une gourde dans la flotte. On apprend que c'est des soldats de Estar et qui sont envoyés par je ne sais pas qui pour la récupérer. Ah, c'est qui, je sais pas qui. Ah, bah, faut voir. Ah. Bon, j'avoue, c'est le Goomba. C'est l'un des deux Goombas qu'on a sauvé à la prison. Et c'est pas les mêmes Goomba que dans Mario. Goomba. Goomba. Ah. Donc là, on va revoir Rinoa et on va aller prendre son sac à dos et on va partir. Salaud, tu veux son sac à main? Non, c'est elle le sac à dos. Mauvaise phrase. On va l'utiliser en sac à dos. Ah, d'accord. C'est où les poches? Allez, Rino, viens. T'as eu ton salaire? Oui. J'ai fait une bonne action, je suis allé voir quelqu'un à l'infirmerie. Faut-il lui parler? Ouah, comment il l'embarque direct? Hop là, viens là, toi. Viens, la petite coquine. J'ai mis ma cape bleue. Ah non. Elle est un peu lourde, ma cape, par contre. Elle fait bien son 50 kilos, plus. Et donc, pour aller à Estar, donc l'endroit où Elon a été emmené, bah, il faut passer par... Horizon. Il faut passer par Horizon. Salut les gâteaux. Yo les gâteaux. Le gâteau. Tu te lèves tôt? Monsieur, on se levait très tôt. Ouais, à minuit. Personnellement, moi je me suis levé à 5h30 hier. Gigi, pardon. Aujourd'hui. Moi aussi. Il y a Gigi. Oui, regarde le ciel, c'est beau le ciel. Ah, il y a même l'étoile de Chuck Norris. Allez, viens, Renoir, Nico. Nope, n'existe pas en Mars. Le sommeil, c'est pour les faibles. Ouais. Ah, t'as remis ta cape? Ouais, je suis Zoro. Zoro le magnifique. Zoro, avec ma grande cape bleue. Je sens un peu le camion Ben, mais bon, c'est pas grave. Tut, tut.
Et donc là, Idea va venir avec nous, à Estar. Parce que à Estar, ouais, elle est pas prestée par contre. Hein. Ouais, à Estar, il existe aussi un grand scientifique qui connaît, qui a étudié les sorcières. T'es choix. En français, c'est le temps. Comment il s'appelle, Docteur Ondine, si je veux dire. Ondine, ou je sais plus comment il s'appelle en anglais, par contre. On verra ça tout à l'heure. Donc là, on prend Zelsqual Kistis et on fait une petite save parce que le boss est un mort-vivant, donc on lui met un élixir, mais par contre, il peut te one-shot à une de ses vitesses, lui. Les rails sont bien droits. Ouais. Par contre, si je dis pas de bêtises sur le prochain boss, ses attaques physiques, c'est sur ce boss-là que je crois que tu avais dit que ses attaques physiques étaient une chance sur 4. Alors, ah non, c'est Zorgonald. Ouais, mais il crit aussi hyper facilement. Non, il crit facilement. Non, c'est Zorgonald qui a dit ça. Non. Mais ils sont un peu pareils, ils crit une fois sur c'est 4. C'est un peu pareil, oui. En fait, c'est des boss qui vont pas souvent attaquer, mais quand ils attaquent, ils font mal. De toute façon, vous allez voir. Les gâteaux demandent un résumé de l'histoire. Bah, Kayosh, vas-y. Ok, donc. Pardon, je m'étouffe. Donc on est des bon. On est des branleurs qui deviennent des militaires. Des héros pour sauver le monde. Non, en gros, on est plusieurs étudiants qui viennent de différents facs. Et là, en gros, alors, en fait, je sais pas comment résumer ça. Parce qu'on a fait tellement de choses aussi. On a fait tellement de choses. Faire un résumé de l'histoire. Pas trop spécialiste des résumés d'histoire. Ah bah tu résumes pas alors. Non, en gros, pour résumer, c'est qu'on est des étudiants, des sortes de mercenaires qui vont accomplir des missions. Et là, la mission justement, c'est de sauver le monde. Sauver le monde exactement, qui est un peu, enfin, où il y a une sorcière qui menace terriblement le monde. Et après le truc, c'est que résumer un jeu que j'ai pas refait depuis longtemps, surtout que l'histoire je la connais pas parfaitement, c'est un peu dur. Donc désolé si je vais pas vous résumer l'histoire, surtout qu'il est très loin. Il y a Gigi, va ouais, c'est une race, c'est la race d'antagoniste, la race à la con. Donc Swisher, ouais. Swisher, qui est un très mauvais nettoyeur, n'a pas réussi à son examen. Vous voyez, il est devenu méchant avec la sorcière magique. Voilà, ouais, voilà ce qui arrive avec Abaddon, il peut te one shot un mec tranquille. Tout va bien. Donc après, pendant leur périple, ils essayent d'aller je sais pas où, avec des trains et tout. Je me rappelle même plus de pourquoi ils font ça d'ailleurs. Parce qu'ils sont envoyés en mission. Bah voilà, ils sont envoyés en mission. Donc du coup, ça justifie qu'ils prennent un train d'assaut. Et du coup, à la fin, les gentils gagnent. Voilà. T'as oublié de résumer aussi la tentative d'assassinat de la sorcière. Voilà, il y a la tentative d'assassinat de la sorcière qui ne marche pas parce que c'est des gros branleurs qui savent pas faire les choses correctement. Et du coup, t'as Skull qui normalement devrait décéder mais n'est pas mort. Ensuite, ils sont emprisonnés, ils réussissent à sortir de la prison. Ils sont dans une base de missiles après. Après, ils se rendent à une base de missiles où ils font tout péter. Non, ils font détourner les missiles parce que les méchants qui envoient des missiles, ils tuent les autres facs qu'il y a dans la planète. Après, ils se rendent à leur fac pour la faire s'envoler. On ne sait pas pourquoi, mais ils la font s'envoler. Enfin, si c'est pour éviter des missiles encore.
Et après ils se battent contre la troisième fac qui veut, enfin la première pardon, qui veut tuer tout le monde des autres. Et regardez, Noah reste pendant 20 minutes accroché sur son. Et Noël va avoir mal au cœur. Rocher. Ah ça y est, elle a eu mal au cœur. Fallait l'allonger. Et ensuite il y a un assaut, la vieille. Méchante devient sorcière gentille et le camion poubelle qui te sert de poulet accroché à ton pied devient le grand méchant de l'histoire. Voilà, j'ai résumé un peu le truc. Donc là, le grand méchant de l'histoire, on lui marche dessus. Là. Hop. Voilà, bah, chie lui dessus, même, chie lui dessus. C'est bon, on a fini. Salut, bonne soirée. Mon résumé est vraiment dégueulasse. Au moins, il est meilleur que le mien. Après voilà quoi, faire un résumé d'un jeu que j'affectionne pas tant que ça. Welcome. Merci pour le match. Et merci pour le follow Oni et QQ. Et merci aussi à WolfDNC pour ses follows. C'est très gentil. Pour un mec qui fait des résumés vraiment très dégueulasses. Hey, listen. En même temps, je connais pas le jeu. Moi, je peux pas non plus. Essaye de céder un. Je fais comme je peux. Hein. Et sincèrement, tu connais FF9. Non plus. J'ai jamais fait par contre lui. Mais il coulait. Je sais que le personnage s'appelle Zidane, donc c'est un footballeur avec une queue de singe. Voilà. C'est ça. C'est tout ce que je sais. Mais tu verras, il est cool, FF9. Et là, dernier dream. Il y a Gigi, il connaît tout, quoi. Il a la tête reposée, ouais, il connaît tout. Il y a Gigi, ouais, il a dormi et tout. Oui, il est bien sérieux. L'université s'envole. Parmi les cieux. Puis après, il y a un combat intergalactique de deux universités qui volent dans les airs. Et pendant ce temps-là, t'as Linoa ouais, qui s'accroche pendant 20 minutes, 20 bonnes, voire une deux morceaux 13, de 13 terre. En 13 minutes en speedrun, mais je veux dire en vrai, tu peux rester 3 déjà, heures comme ça, va rester. Déjà 13 minutes en speedrun, c'est beaucoup. C'est déjà très beaucoup pour se tenir comme ça, mais elle reste pendant 3 heures en casu, tu vois, facile. Elle a fait de la muscu quand t'étais pas là. Ah, en français, ça devait être le docteur Geyser, il me semble. Oui. Oh putain, quel nom extrêmement. Oh pardon, excusez-moi, j'arrête pas de roter. Et tu verras que ce docteur a une sacrée collerette. Bah voilà, bravo Estéa, tu montres le planning. Enfin, enfin. Bravo le pote. C'est bon, on est content de notre soirée, le bot a fait quelque chose de bien. Il aura fallu 6h40. Ah, voilà. Je peux résumer aussi le jeu comme ça. Alors, cinématique, bagarre, cinématique, bagarre. Cinématique, jeu de cartes. Bagarre. Non, attends, il est seulement bagarre. Trop, là. Cinématique. Ah, quelqu'un qui est tombé. Ah, il est content en plus. Ouais. Il a fait. Cinématique, ah non, pas cinématique. Cinématique, bagarre. Cinématique, bagarre. Cinématique, bagarre. Attends, t'as oublié quelque chose au début. Cinématique, bagarre, farm. Ah oui, farm, pardon, j'avais oublié. Descartes. C'est très vrai. Descartes, j'ai dit. Ah. Descartes, j'ai dit. C'est génial, Descartes. Cinématique, bagarre. Il y a un moustier au moment, c'est cinématique. Je cours, cinématique. Je cours, cinématique. Ça, c'est quand c'est le moment en fait où on a plus les bagarres aléatoires. Donc, du coup, ça fait cinématique, je cours.
Et tu refais un Laguna Dream. Oui, c'est le dernier. C'est le dernier. C'est high tech là. Ouais. T'as, j'espère que ça tombe pas comme ça dans l'ascenseur hein, parce que ça est trop horrible. Non mais Star c'est une cité technologique, c'est pour ça. Ouais, donc du coup ils font des ascenseurs qui tournent. Et ouais. L'ascenseur s'en va pas là ? Non. D'accord, le mec qui rentre dedans c'est pour attendre. Joli Lynx en Slade. Excuse-moi parce que ton. C'est très dur à lire parce que ta couleur est dégueulasse. Et aussi parce qu'il est 7h08 du mat. Oui, si. Salut Lynx. Et salut à. Toi, Leader Slade sera mieux. Kidoa. À la fin, elle est what the fuck, comme. C'est tellement cliché le monstre caché capable de détruire la Terre. C'est toujours comme ça. Il y a un monstre caché qui est capable de détruire la Terre. Il faut arrêter. Voilà. Et bien sûr, comme t'es le héros, bah tu réussis à le battre. Donc ça veut dire qu'à toi-même, tu es capable de détruire la Terre. Oh. Ah, révélation de Ouvgudin. Donc tu dois te combattre toi-même pour t'empêcher de détruire la Terre. Ou alors t'as la flemme et t'attends. Voilà aussi. T'attends la vieillesse. Voilà. Ah ça marche. Ça paraît. Donc en gros, le but du dernier Laguna Dream, ça va être d'aller chercher Elon et capturer justement Aestar. Ah bravo. Déjà quand elle était petite. Ouais. Capturer parce qu'on décrète qu'il faut sauver. Parce qu'on croyait que c'était une sorcière, mais en fait c'est pas une sorcière. Par ce fameux docteur qui étudie les sorcières. L'ascenseur funky. Donc c'est lui, le fameux docteur. Quand il sort des trucs, brrr. Avec une collerette du plus bel effet. Ah mon dieu. C'est moche. C'est quoi, c'est un tabouret avec une paire de couilles? Oui. Salut Sherwin. Yo Sherwin. Salut Sherwin. C'est Kefka en fait le mec. Ah un petit peu. Sauf que lui il est vraiment con.
Kishka, il est fou dans sa tête. Bon, en gros, c'est un vieux samouraï dégueulasse avec une... Quoi. Ouais, c'est lui le savant, par contre, qui étudie les sorcières. Je savais pas que les scientifiques, ça étudie les sorcières. Cool. En fait, c'est des mecs avec des pioches. Ouais, toujours les mêmes procédés, hein. Toujours avec leur pioche. Nous, on se sépare jamais de notre pioche. C'est tellement pratique. L'ascenseur vachement utile. Ah non, d'accord, c'est pas un ascenseur en fait. Si. Moyen de déplacement futuriste. Non, on sauve pas le Mumba, il me semble. À la prison, on sauve pas le Mumba. C'est plus rapide de faire comme ça, malheureusement. J'aurais des bonnes attaques déjà. Ils sont décédés avec leur pioche à la con. Eh oui, malheureusement. Ce sont des choses qui arrivent. Totalement. Placement futuriste. Et on a retrouvé Lon. Oh, elle pleure. Elle pleure aussi, elle a 5-6 ans. Oula, il fait quoi avec la petite fille là? Il fait certaines choses. Voilà, la taille de la bagnole. Oh, le mec il s'est tapé comme ça quoi. Et donc là, allez savoir pourquoi, on va discuter avec le professeur dans le présent et on va décider d'aller sur la lune. Et si on allait sur la lune? Ah ouais, bonne idée! Ça sert à quoi? Je sais pas. C'est quoi cette méga ville là? C'est Star, la plus grande ville du monde de FF8. Mmh. Ah mais je sais pourquoi on va dans l'espace, parce que l'espace c'est cool. Ouais. Ouais. Pour perdre une heure. Donc une demi-heure on fait pas grand chose quoi. Cool.
sortir mes mots croisés. Donc le retour du mec en collerette. C'est pour mettre un peu de gaieté, de bonne humeur. Non mais en fait c'est pour éviter ce qui se gratte. Fort possible. C'est comme pour les chiens. Ça se trouve ils se grattent. C'est ça. Mais oui, elle s'appelle Quinoa. Non. Je voulais dire que le scientifique qui a étudié la méchante est en fait un traître. Oh mince. Non, non, c'est la méchante. La méchante elle-même qui manipule tout le monde en fait. Le beau scientifique il est plus rien. Bon, il est con aussi, donc c'est non. Wow. Un scientifique con. Ouais. Enfin, ça existe. D'être intelligent n'empêche pas d'être con. Ah, voilà. Je trouve la ville trop bleue. Elle est totalement bleue. Le bleu, ils aiment ça. Dans ce... T'as vu ça un peu la... Rentecar. De la ville. Là. Welcome. À 9h10. Mais normalement c'est pour l'instant. En haut à droite du... Donc pour l'instant, on est en dessous des 9h. Merci pour le follow, Hank. Donc il reste à moins de 2h normalement. Wow, tu roules avec une voiture du futur sur une autoroute du futur dans une ville du futur. C'est ça. Et on va décoller pour la lune. Ouais, dans un vaisseau du... Capsule, ouais, ça fait carrément une ROM de lancement comme ça. Voilà. C'est vraiment du futur. Mais ouais, c'est haute technologie. Et bien sûr, qui est-ce qu'on va envoyer sur la Lune? Bah, on a toujours les mêmes blaireaux qui font les mêmes selfies. Ouais, oui, selfie. Selfie, cool. Selfie, Terminator et Vigel Dup. Non, on est obligé d'y aller, nous. Squall et Erin, on est obligé d'y aller. Ah, mais le chien, le fils de Dougie. Le fils de Dougie. Il a peur pour sa maîtresse. Le yinch. Il a traversé c'est tout le désert. Il a traversé toute la planète. Mais il sort vraiment d'où, quoi, ce chien? Ah, nulle part. Ou alors, elle habitait de base ici, et non, c'est sympa. Non, mais le chien, c'est un chien errant, il se balade comme ça. Ou alors, il était là depuis le début. Et tu ne le savais pas, tu l'avais jamais vu. Peut-être, c'est le frère jumeau du chien, en fait.
En fait, ils sont toute une famille, les chiens, parce que depuis tout à l'heure, elle arrête pas d'en envoyer sur des ennemis qui font des explosions. C'est pas le même. Elle a une portée. Non, c'est pas, elle doit finir à 9h10. Hein. Non, pas 9h10. Non. Un petit peu plus tard. Ouais, c'est pour ça qu'il met Kappa. C'est parce qu'il se troll. Allez, hop, dans le tuyau. Zouf. Pouf. Et ouais, ça marche en plus. Allez, en orbite. Comme les tuyaux qui zoom par les tuyaux dans des capsules. Et donc là, on va arriver sur le big menu. Le big menu. Le big menu du jeu. Ouais. En gros, on utilise un temps réfractaire pareil pour faire tout ce qu'on a besoin pour la fin du jeu presque. On est obligé d'attendre 5 minutes en fait. Il y a un temps pour. Ah, c'est chiant ça. Ouais. On voit sur la lune. En fait, de base, donc, il va y avoir le gros frigo qui va arriver sur la star. Et en gros, on aura exactement 20 minutes pour y rentrer. Sauf qu'on peut rentrer dans le frigo à partir quand il reste 15 minutes ou moins. Et donc, justement, vu qu'on est dans une ville, on va en profiter justement pour faire nos derniers achats. Et faire tous nos équipements. Oh, putain, là, c'est le grand des... Ouais. Ce fameux frigo, il y a même pas de bière là à l'intérieur. Ah, ça sert à rien un frigo de cette taille là s'il y a pas de la bière à l'intérieur. Ah, non. Et dans dessous, on aurait vraiment dit indépendamment. Allez. Et donc naturellement, le plus gros menu du jeu, il arrive à 7h. On parle du gros menu du jeu dans FF9? Oui, il arrive aussi à peu près, tout petit peu plus tard. 8 heures de run. Il est encore plus dur que celui-là. Ouais, parce qu'on n'a pas de temps réfractaire. C'est en route. Plus vite tu fais le menu, plus tu gagnes du temps. Donc, par contre, PLM, tu me feras le plaisir de ne pas fuir devant le lunette de Pandora. Oh, ça ira. Ça, c'est sûr et certain que ça ira. Les autoroutes du futur. Ça fait très longtemps que je l'ai pas fait celui-là. Ouais. Oh putain, la vitesse de l'élévateur quoi. Normalement t'aurais dû t'éclater en haut avec la vitesse du monté. Mais bon, je pose pas la question, ça va le faire pour lui normalement.
parler à l'assistant plutôt. Au docteur. Ouais, pas au docteur. Docteur Collerette. Là, il nous explique le plan, que le frigo, il est dirigé par les acolytes de la sorcière ou je ne sais quoi, pour recevoir... l'alarme sélénite. Le frigo est... Enfin, c'est hyper compliqué. Le scénario, il part un peu en zob, en fait. Et en gros, le frigo, si je dis pas de bêtises, c'est être justement un repère par rapport à la lune pour l'alarme. C'est en gros... Lorsque l'alarme va tomber de la lune, elle va directement attirer sur le lunette de Pandora. C'est le réceptacle de l'alarme sélénite qui est contenu sur la lune. Et on va s'apercevoir que l'alarme sélénite s'est remplie de monstres. Et donc en gros, tous les monstres de la lune vont se déverser sur la Terre. Qui était le but de la sorcière. Ça pue. On a déjà assez des monstres dans leur serre. Pas besoin d'en rajouter. Allez, et là c'est le gros menu. GL. Il a pas besoin de good luck, il va y arriver. Non, ça va aller, je l'ai fait des centaines. Oui. De toute façon, même si je perds un peu de temps, c'est pas bien grave. C'est pas grave. Oh mon dieu, t'as un compte à rebours! Alors, HP 2, Strange 2, SPR 2. Here we go! Fire Ammo. Ouf! Bye. Dans la FFU que le gros menu du jeu arrive à l'un des moments, enfin arrive avant l'un des moments les plus mûrs du jeu. Donc Amnesia Green sur serveur pour Hit, c'est ça, après HP sur Shiva Undine. SDR sur Golgotha Rondin, SPR sur Ifrit Nosferatu, Rosetta sur Zephyr. Ouais, c'est un peu ça qui se passe là, j'ai l'impression. Side. Speed. Calm mode.
quelle est la meilleure chose à faire quand il y a un compte à rebours qui se lance avec une séquence d'autodestruction? Du shopping. Du shopping. Ça passe le temps. Ouais. Ils sont larges, les mecs, ils ont 20 minutes pour faire du shopping. Ça, j'ai pas. Tools. Ouais. Sur Tao. C'est des Shellstone. Hop, j'ai rien d'autre. Fire. Rock Fairy. Ah, c'est pour créer des brasiers, okay, c'est cela. Sur Irvine. Time Magie RF. Sur Genix. Je suis un peu en retard, c'est pas grave. Alors, Battle Speed, on est à 50. On split les magies. Deux ailes. Donne. Hop, on fait comme ça. On soigne. Une noix, squat, selfie, et c'est bon. J'ai perdu du temps, mais bon, c'est pas grave. Pas grave. Ça faisait tellement longtemps. On n'est pas pressé. Ouais. Donc là, on ne fuit pas et on tue les mobs. J'ai oublié de prendre ma main. Mais par contre, j'ai tout fait, donc c'est très bien. Je me rappelais plus, j'en streamais aussi Zelda 2. Ah, le menu il est un petit peu long ici. Il est un peu long. Ça justement que dans les ROM du RPG, par exemple FF8 ou FF9 par exemple, on a des notes. Salut de la Gudo. Qu'on va utiliser justement pour souvenir des menus si on a un truc. Salut à toi la Gudo. Se faire éjecter tout simplement.
Oui, ça va. Je... Non. Oui, il y a le temps. Généralement, quand on a envie d'aller aux toilettes, on fait ça pendant les cinématiques. Ouais, par exemple, celle-là qui dure 40 secondes, t'as le temps. Ouais. Waouh, tout ce qui est bleu, ça devient rouge. Ah, maintenant, ça devient noir. Le bête qui pète la cinématique, en fait. Ça fait peur. Le frigo voilà. Donc pour l'instant, si j'ai payé Irvine, ça fait du 8,55 à peu près. Si j'ai Irvine, bah ça fera du 8,51, 8,52, donc ce serait cool. Donc là, on va arriver sur la station spatiale. Au pire, dans le doute, tu prends la manette, une manette sans fil et tu appuies mécaniquement sur la touche en même temps que tu es en train de faire pipi. Wouah, ça fait un méga rayon laser. Ah non, c'est des grilles c'est, laser. C'est pour arrêter les capsules. Oh là là. Méga uptake. Et genre, ils envoient combien de personnes à la seconde avec ça? Leur station est moche. Des techniques. Et c'est très bien aussi, Salakuda. Une meilleure technique encore. Pourquoi ne pas vivre dans des toilettes aussi? Voilà, comme ça tu n'as pas bougé ton cul de la journée. Ouah, c'est très vert, c'est très moche. Ils ont inventé le chromatique avant tout le monde. Ouah, il flotte. Et donc là, on va avoir un petit skip. Ouais. En gros, elle va vraiment se mettre au fond de la pièce et quand il va. Oh là là, avec la gravité, il va retomber derrière la porte. Oh genre, ils ont tous les deux récupérés et tout. On les a esquivés. The Mega Skip. Voilà, maintenant tu fais dodo dans l'espace. Tu es heureuse maintenant. Au revoir. On te laisse là, à tout jamais. Au revoir Blanche-Neige. Ouais, cruche. Et là, on voit la lune. On va retrouver Elon qui était ici depuis le temps. D'ailleurs, pour ça qu'on y allait à la base, pour la retrouver, elle.
Sauf que... Attends, ils vivent dans un... Dans un monde du futur et ils connaissent pas le téléphone. Eh non. Tu crois que ça capte entre la Terre et l'espace? En fait, ils voulaient retrouver Elon pour aider Rinoa, en fait. Donc ils sont obligés d'amener Rinoa à Elon. Qu'est-ce que tu peux faire pour nous aider? Non, bah rien, je sais pas, moi. Je suis pas exorciste. Faut demander à Yajiji ça. C'est lui l'expert. Lui l'expert scénario. La lame, c'est l'init, c'est la lame qui va couler de la lune. Qui est un, oui, un amas de monstres. Et c'est ce que voulait libérer Ultime Messieurs. Je crois que c'est ce que voulait libérer aussi Adèle il y a 17 ans, non? Wow, warning, sa clignette rouge. Bah, il va y avoir un danger. Ah bah, c'est comme tout, comme à chaque fois. Et là, ils ont la poisse, quoi. Rinoa est possédé. Waouh, c'est du double même, elle est folle. C'est le quota. Donc la petite manipulation pour faire avancer Rinoa plus vite, si on sort et on rentre de l'écran, essayez justement qu'elle bouge son cul. Et regardez là, on va se faire jarter par Rinoa, un truc de dingue. Bim. Et ciao. Elle a une démarche plutôt sensuelle aussi. Wow, je suis trop fonce des... Elle est trop cuite, Kinoa. Mais donc là on voit ce qu'il y a dedans, c'est un ramassis de monstres. Un gros bout, un gros bout, et des méchants monstres. Et donc le but de l'Ultimessia, donc la grande méchante, la sorcière qui dirige tout, c'est de déverser tout ça sur la Terre, en l'attirant avec le frigo géant, Lunatic Pandora, et de libérer la sorcière du passé, la première sorcière, qui était enfermée par les gens des stars, à côté de la Lune. Les règles de Jade Lune vont arriver sur la Terre. Putain.
Salut Tipsy. Sans mania. Sans matinale les modos. Non, ça c'est demain matin, ça tue Tipsy. Ah, c'est demain, ça. C'est demain. Enfin, c'est plutôt cette nuit. Ce sera cette nuit quand tu dormiras. Donc là, Rinoa, possédée, est allée libérer la première princesse. La première sorcière, pardon. Princesse, putain. Je commence à fatiguer. Non, mais c'est, on va dire, c'est une princesse. La princesse des sorcières roms. Ou une courge bleue. Une autre courge bleue. Voilà, t'as mis ta tenue de cosmonaute. Ok, pas de soucis. Bon courage à toi. Bon courage. Bon courage. Bonne journée à Tipi. À plus tard. Et à ce soir, surtout, vu qu'il race. Moi, oui, du coup, ouais, je te dis à ce soir parce que. De toute façon, tu me verras pas de l'après-midi. Bah, toi, tu viens en stade. Ouais. Ah, ah bah, moi aussi. On retrouve Twispy ce soir à 22h25 pour The Uncharted en race contre Elval. Et oui. La fameuse race. Hein. Et donc voilà la sorcière qui va se libérer. Ouah, ça fait de la fumée. Sorcière du passé. Oh yeah. Il s'appelle Adèle. Ça change. Oh, elle a un sourire maléfique avec des yeux qui brillent au rouge maléfique. Quoi ? Elle est trop nulle. Je pense que c'est un être maléfique. T'es sûr ? C'est pas faire connaissance. Et merci Barouche pour le host. Le boss quoi c'est dans une capote. Oh mon dieu. Et donc là l'arme c'est limite arrive sur Terre. Les règles de la lune arrivent sur la Terre. Dieu. Waouh, ça fait de la lumière, c'est joli. Explosion. Donc là, pas aller trop vite, parce que là, on peut s'affloque. C'est bon. T'as des drops d'images, non ? Oui, j'en ai un petit peu, pardon. Ouais, ça... c'est ce que j'ai... Voilà, parce qu'ils ont allumé leur téléphone chez moi. Je suis désolé. Ouais, ça va, c'est la fin. C'est la fin. Ils vont bientôt partir travailler. Faut dire encore une heure et demie. Allez. Je peux baisser un tout petit peu. Non, mais c'est bon, c'est pas grave. Bah, ça s'est stabilisé un tout petit peu. C'est des cinématiques, hein, donc on s'en bat un peu les stocks. J'ai des explosions à la Michael Bay, c'est bon, on les a toutes vues. Hein. Voilà, c'est un peu le moment cinématique depuis tout à l'heure. Hein. Ouais, bah là, c'est un très très long flashback.
gros, depuis tout à l'heure, c'est cinématique, je bourrine pour passer les dialogues. Cinématique, je bourrine pour passer les dialogues. Hop, je cours un peu, cinématique, je bourrine les dialogues. Et cinématique. Et salut Bernie. Salut Bernie. Mais ouais, t'arrives dans l'espace. Il reste pas longtemps là, il reste 1h20, un petit peu plus 1h25. Et ouais, fallait arriver plus tôt, Bernie, pour... Non, fallait surtout arriver plus tard. Ouais, après la reine. Oui, après. Je vais baisser un tout petit peu. On voit déjà la rivalité entre Eleval et Tweepy qui se sont mêlés sur Skype. Je cite ouais. Tweepy sur Skype, « Je te nique, toi. Ouais. » Il est en forme. On voit toute la subtilité de l'être. C'est bon, Twispy est en forme. Je suis sûr pendant la race, ça va trash talk. Ah, c'est à dire, Quinoa est de revenir gentil. Bah, ça, c'est le passé en fait. Ah, ok, d'accord, c'est pour ça qu'elle est gentille. Hein. Ouais. Ils étaient obligés de mettre un verre devant. Bah, oui, c'était pour montrer l'effet du verre, justement. Regardez, on s'est mis des trucs qui gênent les cinématiques. Regardez, on sait faire des trucs transparents et de belle qualité. Ouais, en fait, t'as foutu un putain de... Une putain d'image GIF transparente devant. N'importe quoi. Ah, Quinoa, le zombie. Donc ça, c'est la fin du CD2. Ouais. C'est long. Oui, t'inquiète pas, c'est très. Là, pendant ce moment-là, tu peux t'endormir. Mais il faut pas. Ouh, c'est la madame avec les cornes! Oh non, qu'est-ce qui t'arrive, Elon? Pas possible ça. Eh ouais. Ah, d'accord, notre petite sœur, elle a pas le droit au scaphandre. Bah non, tu te barres seul. Alors on laisse notre demi-sœur crever. Bel esprit. Et donc là, ça flotte, ça flotte, ça flotte dans l'espace. Il y en a encore pour 5 minutes. De rien. En plus. Ouais, plus. Bon, 5 minutes. Ah si, quand même. Ouais, un petit peu sérieux plus, là, on va voir ça pendant 5 minutes. Oui. Ouais. Ah ok, j'aime bien. Bon principe. Bon, non, comment vous allez le chat hein? Pendant qu'on passe la séquence de la mort spatiale, au passage. La mort du jeu aussi. Et le suicide du joueur. Bon, je pense plutôt qu'il s'est endormi avant.
chérie. Plus fort. Encore plus fort. On va très très bien. Non, on va pas bien. Non, pas du tout. Non. Non. Comment ça fatiguer un peu. Ouais, il se passe exactement rien du tout. Dans ce passage-là. Si, il y a, et d'un moment, il y a du texte qui s'affiche. Oui. Et il y a eu une donation. Ouais. Hein? Oui. Ouais. Moi, sur le stream, on donne 5 euros. J'ai pas vu. J'ai pas vu. Ah oui. Merci, merci, j'ai pas vu le pseudo. Et puis je vais pas dire le nom que j'ai vu moi parce que c'est son vrai prénom et son vrai nom. Donc c'est Link quelque chose. Ah oui, c'est Lynx. Ah, c'est Lynx, merci Lynx. Lynx Slate, si je dis pas de bêtises. Oui, on se fait vraiment chier. Ouais. Hein, chérie, plus fort. Ah, encore c'est pas plus ça. Fort. Ça devait pas te manquer, ça. Non. Et oui, j'ai. Ah, bah, du coup, à Sherwin qui a donné un euro. Monsieur, le bot a dit. Bah, j'ai pas le temps de te le dire. J'ai pas le temps de te le dire. C'est le bon a dit qu'il y avait une jolie musique sur l'une des sous, alors voilà. Ah oui. C'est un meuble à le moment chiant. C'est pas faux. En tout cas, merci à toi pour les dons. Merci à vous deux pour les dons. C'est ce genre de petits dons qui nous permettent de financer les petits lots qu'on offre lors des bonus qu'on fait. Et aussi qui fait fonctionner l'association. Donc ça fait très plaisir. Ah bah c'est à prendre ou à laisser hein, la musique. Ouais, la dérive spatiale, c'est trop cool. Mais c'est un peu long quand même. Ouais, c'est très très long. Je sais pas dans quel trip hallucinogène débile ils étaient en plus les devs. Là. Non, mais tu veux savoir, le pire c'est qu'il y a un mini-jeu après. Ouais, un mini-jeu dans l'espace. Ouais, ça sert à ça. Welcome. Enfant. Bon, j'espère que vous avez pas trop de perte d'image quand même. J'ai bien baissé, mais non, pas un tout petit peu. Bah, merci pour le follow, Sherwing. Ça drop un tout petit peu malheureusement. Ah si si, j'ai déjà vu, c'est un peu dégueulasse comme épisode, mais il est sympa cet épisode. Et ouais, Interstellar a tout pompé sur effet fuite en fait. Tout comme Armageddon, Independence Day et... Il faut sauver Slendarian. Voilà. Ils ont tout piqué l'effet fuite. C'est le précurseur. C'est ça. Allez, Squall, il faut y aller. Ma sauveur est noire. Oh, c'est beau. Pourquoi on l'a sauvée? Parce qu'on a besoin d'elle pour finir le jeu. Oh, parce merde. Squall est amoureux d'elle.
Ah merde, putain d'amour de merde. Oui, parce qu'il est. Oui, est-ce que ce poil est con, ça on est bien d'accord. Et donc là, c'est un mini-jeu. On doit juste centrer une voix. Ouais. Ah mon dieu, tu n'as plus que 1 minute 15. C'est long, hein. C'est bon. Putain, mais ça fait. Ah, il est long, hein, le segment dans l'espace. Ouais, grave, ça fait 7 minutes que t'es dedans, quoi. Ah, c'est la mort. Ah, c'est un moment, mais c'est. Non, Paris, c'est. On a plus qu'une heure. C'est vraiment le pire moment du jeu. Hein. Ah, oui. Et Yokido, du coup. Et Rokido. Seiya. Dans 1 heure, tu joues. Un petit peu plus. Seiya. 1h10. 1h15. 1h15. Contre Neo. Et ouais, contre Neo. Contre Nero Slash. Pendant que Twispin n'est toujours pas parti au taf. Oh, Twispin, t'es pas encore parti. Mais se clash sur Twitter, apparemment. Ah, profitez pendant qu'il avait pas là pour lui. Pour lui dire qu'il est niqué. Ah non, ce sera pas un VR, ce sera un 7h50 T1 au mieux. Sub 9h, pardon, 8h51, je suis perdu. Pas mal. Je prends ton café, donc du coup tu viens nous voir. Ah putain, si ça pouvait être le world record cette fois. En fait, ça serait bien que ce soit la fin, en fait, le générique. Ah, j'avoue. À ce moment-là. Et ouais, mais après il y a tout le rush final avec les boss à la suite. Ne vous inquiétez pas, il y aura un peu d'action bientôt. Encore plus fort. Mais seulement un peu. Bientôt. Vous allez voir, ça va bouger. En gros, pour vous résumer, donc là, c'est on s'accroche. On rentre. Machine, 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 machine. On prend son personnage. Machine. Juste avancer. Combat. Machine, combat, combat, combat. Et chanson. Non, pas chanson, on n'a pas le temps. Ta, 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 ta. Les chansons, c'est que en 4 PB en plus. Et j'ai jamais dit la chanson de fin. Ah. Tu parlais seulement de ce qui se passait dans les 3 prochaines minutes. Ah oui, d'accord. Ah, ouais, ah oui. C'est vrai, il y a Aizen. Il y a Aizen.